La grande satisfaction, c'est d'avoir apporté un petit plus à la vie des Bruxellois. Dans le cadre de son projet, la STIB avait une réimplantation globale de toutes les voiries par où passait le tram. Et donc, de ce fait-là, notre éclairage, l'éclairage géré par Sibelga, n'était plus du tout adapté. Pour la demande de la STIB, c'était évidemment d'éclairer le parcours. Depuis Lambermont jusqu'à l'hôpital militaire, c'était plus ou moins 5 km de trajet. Alors, il y a eu, on va dire, trois défis. Le premier, ça a été d'éclairer le parcours de la STIB. Le second, d'éclairer leurs arrêts de tram. Et le troisième défi a été également d'éclairer certaines places, comme ici, où il y a eu un réaménagement complet. Le rôle du bureau d'études dans ce genre de projet, c'est vraiment identifier tous les travaux qui doivent être réalisés par Sibelga. C'est-à-dire remplacer des câbles qui sont vétustes, mais aussi bien tout ce qui est câbles et canalisations qui pourraient être dans le chemin. C'est surtout de la coordination entre impétrants et de la planification de projet. Quand je passe ici maintenant, je me dis, bah waouh, c'est quand même une belle réalisation. Le gros challenge, c'est que notre réseau soit pérenne pour les 50 prochaines années. En ayant une très bonne collaboration, on peut arriver à faire des grandes choses. C'était un fameux challenge en tout cas. Energizing the city.